tout le monde, bienvenue chez vous, bon dimanche. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Et à présent, nous avons deux chaînes YouTube disponibles. Premièrement, vous avez la chaîne mère Jinkunga Tutoriel, une chaîne qui répond à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Deuxièmement, vous avez une autre chaîne nouvellement créée, Académie des logiciels d'ingénieurs. C'est une chaîne d'apprentissage des logiciels d'ingénieurs. Voilà, donc là, vous allez voir que nous sommes en train de décortiquer les logiciels. À bientôt, on aura des séries de formations déjà comme comment travailler sur Robot Structural Analysis. Du début jusqu'à la fin, nous allons voir d'abord les paramétrages, d'autres fonctionnalités des robots. Et puis, nous allons reprendre donc la partie résistance aux matériaux. On fera également le béton armé, construction métallique en bois, ainsi que d'autres types de projets très, très, très spéciaux. Voilà, donc abonnez-vous déjà sur Académie des logiciels d'ingénieurs pour ne pas rater tout ce que nous sommes en train de poster là-dessus. Voilà, à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons continuer nos séries de formations. Voilà, donc déjà la première partie, on a travaillé sur études d'un radier plat, une aire virée d'un bâtiment R plus 9 moins 1, okay, dans Robot Structural Analysis. Donc vous avez vu comment analyser les radiers plats. Et puis la deuxième partie, on avait vu donc comment analyser un radier nervuré. Après avoir comparé les deux, on avait opté pour un radier nervuré. Donc c'est ça les radiers que vous êtes en train de voir ici devant l'écran. OK? Alors, maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons voir donc la troisième partie. Je vais vous montrer comment faire le ferraillage d'un radier. OK? Étant donné que nous avons opté pour un radier nerviré, nous allons voir maintenant comment peut-on ferrailler ces radiers. Voilà, restez attentifs, suivez-moi très très bien, afin que vous puissiez maîtriser ce que nous allons faire. Voilà, sans plus tarder, on y va. Maintenant, je vais d'abord enlever tout ça. Ici, je vais cacher d'abord ça. Ok. Je vais aussi enlever les moments. Voilà, là aussi je peux fermer. J'enlève tout ça, je peux enlever. Ok, je vais rentrer d'abord survie. Je rentre d'abord survie. Ok, donc le bâtiment est là. Attendez, je vais d'abord vérifier un truc rapidement ici. Déjà, les chargements, tout a été pris en considération. Voilà. Alors, maintenant, comment je vais procéder pour ferrailler les radiers que vous êtes en train de voir ici? Alors, je suis là. Je vais sélectionner d'abord les radiers. Je prends sélection spéciale. Et puis, par couleur, je vais patienter. Là, je prends panneau, attribut. Je vais prendre donc radier. OK. Voilà, je sais très bien que c'est un radier nord-viré. Je commence d'abord par ferrailler les radiers et puis je vais voir le nervure plus tard. Alors, étant donné que j'ai déjà sélectionné tous les radiers, à ce niveau, maintenant je viens là. Je prends dimensionnement. Je prends donc dimensionnement. Alors, maintenant, je suis d'abord obligé de bien voir ce que je veux faire. OK? C'est comme je vous avais dit, l'idéal serait beaucoup plus que vous puissiez déjà mettre en tête quels sont les éléments nécessaires à utiliser de manière à ce que vous puissiez très bien analyser aussi vos données. Je viens là, d'abord, je prends d'abord ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé. Je vais cliquer sur paramètres réglementaires. Je clique là. Voilà, les modèles. Et coque BA. Je vais double-cliquer là-dessus. OK. Voilà. Alors, déjà, à ce niveau ici, je peux faire les choix de calcul de ferraillage. Le type flexion plus compression. Moi, je prends flexion simple. OK. Je vais travailler en flexion simple. Je prends ça. Et puis maintenant, de l'autre côté, la direction du ferraillage principal, je laisse automatique. Matériaux, ici, je clique à côté. Je prends béton 25. OK? Je travaille avec les bétons 25, donc je suis obligé de confirmer ça ici. J'ai pris donc béton 25. Et là, je prends haute adhérence 400. Alors, c'est bon.
masse volumique ici, toujours 2500 kg par mètre cube, paramètre en LS, étendue de calcul ici, la flèche, je laisse comme ça. Bon, valeur admissible, je prends F, donc la flèche inférieure à 3 cm. Là, c'est bon, je peux laisser comme ça, c'est bien. Fissuration. Déjà, vous allez comprendre qu'au début, je vous avais dit que ce projet, dans ce projet, nous sommes en train de travailler avec une fissuration qui n'est pas préjudiciable. Donc, je prends non préjudiciable. Par-ci, par-là, donc, de l'autre côté. C'est bon, ferraillage. Mais non. Déjà, ce niveau, le diamètre du bar. Le diamètre par défaut, je prends, bon, je laisse comme ça par défaut, barre de 12. Mais moi, je peux vérifier quand je vais. Voilà, donc, de part et d'autre, c'est bon. Et puis, l'épaisseur épais, OK. Voilà, j'ajoute. OK, là, déjà, c'est bien. À ce niveau-là, j'ai pas de problème. Je clique d'abord sur la note. Voilà, donc, j'ai pas de problème là-dessus. Tout est déjà donc bien inséré. La configuration par défaut. J'ai changé la configuration par défaut. Oui, je prends ça comme ça. OK. Voilà. Et puis là, je vais cliquer sur OK. Je confirme. Puis je ferme. Sélectionne encore une fois les plis. Irradié. Attendez. Je prends toujours panneau. Attribut irradié. OK. Voilà, je clique d'abord là à côté. Maintenant, je fais quoi? Je vais d'abord l'isoler. Je l'isole d'abord. OK. Une fois isolé, l'irradié en question est là. Je viens, je prends maintenant dimensionnement. Maintenant, là, je prends ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé. Les numéros, je sais que c'est 13, 13-18. 13-18 que je peux copier. Là, je clique. Je vais patienter. Voilà. Là, je patiente. Déjà, les éléments est là. À ce niveau ici, déjà c'est sélectionné. Je peux encore une fois les plis, l'isoler. Puisque moi, je vais voir que les radiaux. Maintenant, ici, ce que je fais, c'est quoi? Je vais supprimer tout ça. Supprime les tout. Je vais placer seulement les numéros des radiaux 13, 18. OK? C'est ce que je vais utiliser. Alors, d'abord ici, état limite. En Eli ici, je vais prendre quelle valeur et quelle valeur. En Eli, la combinaison en Eli a été déjà bien établie. Bon, je laisse comme ça par défaut en Eli. C'est bien. En Eli, je ferme. L'LS. Voilà, je ferme. Accidentel ici. Si je vais considérer ça, c'est juste question d'insérer. Bon, à ce qui me concerne, je laisse ça comme ça. Et puis, je clique sur calculer. Et là, je vais patienter. Je patiente. Vous allez voir que ça va prendre un tout petit peu. Ça peut prendre quelques minutes. C'est un grand bâtiment. Mais moi, je vais patienter tout simplement. OK. Patiente. À ce niveau, il faut bien faire. Il faut vraiment respecter les éléments nécessaires à prendre en compte. Pendant que vous êtes en train de faire le ferraillage des panneaux. Voilà, je vais patienter encore. Voilà. OK, là c'est bien. Ça, je peux fermer. L'avertissement, je ferme. Voilà. Alors, déjà, ce niveau, c'est que je vais comprendre quand même. À ce qui concerne par exemple la section d'acier. La section d'acier. Voilà, donc c'est la même procédure que au niveau de la dalle. Puisque vous le savez très bien qu'en réalité, les radiers, c'est une dalle renversée. Ok, c'est comme ça que qu'on calcule dans les radiers.
Voilà. Alors, ici, maintenant, si je vais, par exemple, vérifier d'abord, je suis d'abord au niveau de ferraillage théorique. Ça, c'est au niveau de ferraillage théorique. Et après le ferraillage théorique, vous allez voir maintenant le vrai valeur du côté ferraillage réel. Alors, mais déjà, à ce niveau, je peux vérifier, par exemple, la section d'acier au niveau de la nappe inférieure, mais aussi au niveau de la nappe supérieure. Des deux côtés suivants, la nappe inférieure, vous avez donc deux nappes inférieures, suivant la direction des X et suivant la direction des Y, de négative. Ce sont des nappes inférieures. Et les nappes supérieures, vous avez donc suivant la direction des X et suivant la direction des Y. C'est aussi deux. Alors, je vais d'abord jeter un coup d'œil, je vais vérifier d'abord donc la section d'armature, suivant donc le sens des nappes. Je prends d'abord suivant la direction de nappe inférieure. Sélectionne d'abord ça et puis j'applique. OK? Regardez déjà, même les sens ici. Rien qu'à ce niveau, déjà, vous avez une idée donc par rapport au sens. OK? Alors, déjà ici, je vois très bien que j'ai une valeur de combien? Donc, c'est pour dire que la section d'acier et de la nappe inférieure est de 8,41 centimètres carrés. Voilà, donc par mètre. OK? Donc, c'est ça. Ça, c'est suivant, bien sûr, la direction des X. La nappe, ça représente tout simplement la nappe inférieure. OK? Donc, même si vous calculez à la main, vous allez trouver donc la même chose. Je m'en vais maintenant pour voir aussi à la nappe inférieure, suivant la direction de Y, pour comparer. Voilà, la nappe inférieure, regardez l'essence. Ça, c'est suivant la direction de Y. De l'autre côté, c'était suivant la direction des X. Déjà ici, la section d'acier que je trouvais ici, j'ai une valeur de 6,55. 6,55. Ce n'est pas vraiment trop, puisque le bâtiment n'est pas complètement chargé. OK, alors je peux vérifier maintenant la nappe supérieure, suivant la direction des X. Voilà, là c'est 4,21. 4,21, c'est vraiment minime, hein? 4,21. Et puis, suivant la direction des Y, c'est 4,56. C'est 4,56. Voilà. Alors, c'est pour dire quoi? Déjà, à ce niveau, j'ai une idée à ce qui concerne la section d'acier. OK? Suivant, donc, les deux nappes. Nappe inférieure, dans les deux directions. Les nappes supérieures aussi, dans les deux directions. Mais ce qu'il faut comprendre, au moins, que si, par contre, que vous prenez ça, et que vous calculez maintenant, vous calculez soit le nombre d'armatures en fonction de ça, ça ne sera pas vraiment donc la vraie valeur, une valeur réelle, puisque là, on parle beaucoup plus de ferraillage théorique. C'est du côté théorique. Alors, nous allons passer maintenant au ferraillage réel pour voir maintenant la différence entre les deux. OK, ici, déjà, suivant la direction de X, on avait 8,41. OK? Alors, maintenant, je viens là. Je prends maintenant cette fois-ci ferraillage réel. Des éléments béton armé. Je clique. Je quitte maintenant du ferraillage théorique pour le ferraillage réel. Vous allez voir que la différence aussi ne sera pas vraiment trop. Mais qu'à cela détienne, il faut prendre ça en considération. Voilà, je vais patienter. Je patiente. Voilà, le radier est là. OK, regardez, le radier est là. Là, maintenant, je suis au niveau du ferraillage réel. J'ai quitté donc, j'ai quitté du ferraillage théorique pour le ferraillage réel. Voilà, toujours au niveau du radier. Maintenant, ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Déjà, à ce niveau, je peux continuer le paramétrage. Voilà, je viens là, je prends d'abord paramètres de l'étage. Voilà, paramètres de l'étage ici. Bon, je n'ai rien à modifier. Je prends disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage, c'est là où je peux faire des modifications. Voilà, je vais avoir des barres.
Diamètre minimal ici sont de barre des 10, barre des 12 minimal, maximal barre des 12, minimal barre des 2, barre des 10. Voilà, déjà ces niveaux, même ferraille supérieure et inférieure. Déjà, lorsque vous faites l'étude d'en radier, prière de ne pas cocher cet onglet pour la première fois. C'est-à-dire, laissez d'abord, calculez d'abord, c'est après, maintenant, quand vous allez comparer, et donc les armatures que vous avez obtenues dans la nappe supérieure et la nappe inférieure, c'est là où vous allez maintenant voir s'il faudrait que, si c'est obligé d'uniformiser pour faciliter au moins le ferraillage. Mais pour le début, il faut d'abord laisser ça comme ça. Nous allons voir ce que les logiciels vont nous proposer ici. Voilà. Alors, je prends la barre. Armature inférieure ici. Armature inférieure. Je prends. Je vais travailler avec. Armature inférieure. Ici, je peux prendre même barre des. Je prends d'abord. Bon, je laisse d'abord automatique. Moi, je vais modifier après. Tout ça, je vais laisser automatique. Espacement de préférence ici aussi, je laisse. L'enrobage, je laisse par défaut. Treillis soudés, je n'en ai pas besoin. Secondaire, par rapport au brin. Ouverture non prise en compte, longueur du brin. Si vous voulez ajouter le brin, c'est juste question de compléter ici. Moi, je laisse d'abord, je vais voir ce qu'il va me proposer ici. Ok, alors les crochets maintenant, les crochets, je prends ça des deux côtés, puis je clique sur OK. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Note de calcul, plan d'exécution. Ça, c'est bon. Je viens là, je vais prendre d'abord analyse, paramètres du dessin, nombre plus diamètre, longueur, espacement, et la description aussi cochée, nombre des pièces et type d'acier. OK. Voilà, je lance les calculs. Calcul d'abord. Voilà, je patiente. Voilà. Donc là, il vient de calculer. Vous allez comprendre que on apparaît ici un feedback déjà comme une notification, non plus également des avertissements. C'est pour dire que tout ce qu'on vient d'insérer ou de faire là, c'est bien. OK? C'est bien. Mais nous allons vérifier d'abord ici. Nous allons vérifier. Alors, déjà, vous allez comprendre que, regardez, il y a une modification ici. Il y a une modification, puisque là, nous sommes en train de vérifier maintenant le ferraillage réel. Voilà, la section d'acier qu'il m'a proposée ici pour le ferraillage réel de la nappe inférieure, suivant bien sûr la direction des X, voilà, la section est de 8,73. 8,73 cm par centimètre carré par mètre. OK? 8,73. Voilà, ça c'est suivant et au niveau de suivant la nappe inférieure, suivant la direction des X. Alors, déjà suivant la direction des X, regardez ce qu'il faut retenir ici. Les différentes couleurs que vous êtes en train de voir ici, cela revient à dire quoi? C'est-à-dire quoi ici? Attendez, je vais vous expliquer ça clairement. Attendez, voilà. Alors, là où vous voyez que la couleur, c'est un peu, vraiment un peu rouge, rouge foncé, c'est pour nous dire que il a renforcé donc le bar ici. Voilà, donc il a renforcé les barres. Les haches sont renforcées à ce niveau ici. Donc, partout là, c'est renforcé. OK? Mais en zone ici, c'est-à-dire donc, il n'y a pas trop d'acier, donc c'est normal. Donc, il a pris les haches telles que est représenté à fonction de la section d'acier normalement. Mais tandis que ce que vous voyez ici maintenant en blé, ça dit ici on n'a pas besoin d'acier. OK, donc blé, ça dit ça nécessite pas des aciers ou de ferraillage. Raison pour laquelle vous voyez ici que c'est zéro, donc c'est nil. Alors pendant maintenant la réalisation, on peut tout simplement placer les armatures des constructions. OK, mais en réalité, ce sont de milliers où on peut ou à ne pas mettre des aciers. Donc, c'est ça en fait l'explication de ces trois couleurs. OK? Voilà. Là, c'est suivant la direction des X, la nappe inférieure. Je vérifie toujours nappe inférieure, mais suivant la direction des Y. Voilà. La section d'acier ici est de 7,07. 7,07. 7,07.
Ok, donc là c'est un peu supérieur par rapport à ce qu'on avait trouvé là. C'est supérieur. Regardez, ici on n'a pas besoin d'acier. De l'autre côté aussi on n'a pas besoin d'acier, mais là il a renforcé. Il a renforcé. Voilà. Maintenant la nappe supérieure, suivant la direction des X. Voilà, la même procédure. La section d'acier, ça fait 6, 6,28. 6,28. Voilà, 6,28. Alors, suivant la direction de Y, la nappe supérieure, il a renforcé les barres presque partout là. Voilà, presque partout. Sauf ici, on n'a pas besoin d'acier. OK? Voilà, donc là, c'est bien détaillé. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Étant donné que j'ai déjà une idée concernant tout ça, maintenant, je vais vérifier maintenant d'autres éléments. Je viens là. Je viens là. Je prends maintenant dimensionnement béton armé. Je prends dalle ferraillage. Je vais voir d'abord comment il a ferraillé. Voilà. Je vais voir comment il a ferraillé. Attendez, je vais diminuer ça. Parce que comment pour diminuer ça, puisque je refuse d'enlever ça immédiatement, puisque j'ai besoin de vérifier quelques trucs ici. Déjà, regardez ici, là, il a tenu compte de plusieurs types de barres ici, hein. Ok, donc il a utilisé le barre des 8, barre des 10, et puis barre des 6. Voilà, lorsque vous avez plusieurs barres ici, ça peut aussi vous compliquer pendant le ferraillage. Je vais essayer un peu d'uniformiser ça. Regardez. Vous voyez? Donc, c'est bien vu. Mais, regardez. Là, ce sont des colonnes. Et il a tenu également compte de nervures. Voilà, les nervures sont là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment bien, bien et beau à voir. Je vais diminuer ça un peu. Voilà, regardez ici, vous allez voir que c'est vraiment bien. Voilà, mais déjà ici, vous allez comprendre que ça, je suis au niveau justement de la nappe supérieure. Ça, c'est la nappe supérieure. Attendez, je vais bien voir ça. Diamètre. Je vais essayer un peu d'uniformiser ici pour ne pas avoir beaucoup de barres comme ça pour faciliter le ferraillage. Je vais corriger en tric. Je prends option de calcul. Option de calcul. Je viens là. Barre ici. Je vais modifier en tric. Voilà. Je prends barre des 10. Barre des 10. 10, 12 et 14. Je prends 10, 12 et 14. Et je vais relancer les calculs. OK, 10, 12 et 14. Voilà, 10, 12. Déjà, c'est bon. Je m'en vais d'abord là. Attendez, je vais bien vérifier ça. Voilà, je viens d'abord sur armature. Je vais vérifier d'abord les armatures inférieures. Prends d'abord inférieure. Attends, je vais encore uniformiser. Je prends 12 et 14. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, je crois maintenant là c'est bon. Armature, armature inférieure.
apprend d'abord armature supérieure. Ça, c'est supérieur. Regardez même le sens. Inférieur. Et ça, c'est inférieur. Voilà. Donc, déjà, ces niveaux, vous allez voir que c'est bien détaillé. Vous avez, suivant la direction des X, armature inférieure dans la direction des X. Regardez comment il a armé ça. Voilà, donc c'est bien détaillé là. OK? Donc voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi comment je fais pour avoir le plan donc de ferraillage des radiers. Alors, c'est juste question de respecter en tout cas donc la procédure. OK? Alors, maintenant, vous allez voir ici que tout ce qu'il m'a proposé ici, je peux prendre un exemple. Regardez par exemple suivant la direction de la nappe inférieure ici, suivant la direction des X. Voilà, donc la section d'acier ici est de 9, 9,28. Est de 9,28. OK? La section d'acier. Ça, c'est pour tous les bars que vous voyez ici. C'est pour tout ça. OK? Alors, mais si par contre que je vais avoir ça en mètres linéaires, c'est-à-dire que si vous calculez à la main, vous allez trouver dans la section par mètre linéaire. OK? Par mètre linéaire, c'est-à-dire que je serai tout simplement obligé de prendre donc la même valeur. Attendez, je vais prendre ça rapidement. Je prends là. Je serai obligé de prendre, par exemple, cette valeur 9,28. Je divise ça maintenant par la longueur du radier. OK? La longueur du radier, suivant cette direction, c'était, je crois, de 19,50, je crois. Donc 19,50. OK? Non, non, ce n'était pas 19,50. C'était combien encore? On peut soit vérifier. Attendez. 28 divisé par. C'était 15, je crois. Voilà. Et ça te donne directement. Donc, et la section d'acier en mètres linéaires. OK? Donc, pour trouver ça en mètres linéaires, vous allez prendre donc cette valeur, vous divisez ça par la longueur du radier. Voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater concernant tout ce que nous sommes en train de partager comme contenu. Au revoir.